L'Empire romain était divisé. Des colonnes d'Hercule, aux confins de l'Adriatique, l'Empire occidental s'étendait. Une terre sacrée, conquise par de grands hommes. S'ils ne mettaient pas de côté leurs querelles ridicules, ils tomberaient dans une sombre barbarie. Romains de l'Empire occidental, nobles fils de la cité éternelle, l'heure est venue de rendre sa puissance à Rome. Ils se préparèrent à faire la guerre. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce 57e ou 58e, 57e épisode je crois. Je le tourne à la suite du précédent. Donc je remets le compteur à zéro. Ça y est, c'est reparti. Donc, vous deux, on va vous améliorer. Qu'est-ce que ça donne ça? Munitions augmentées. D'accord. C'est pas mal. Qu'est-ce que Rome exige de moi? Alors, toi tu vas voir ton onagre, allez, on passe le tour vu que c'est là qu'on en était. J'espère que l'épisode précédent vous a plu. Moi j'ai repris du poil de la bête, là le fait de plus avoir de famine, de plus avoir Attila dans les pattes, d'avoir réussi à me débarrasser d'une grosse partie des hordes, parce que j'en ai écrasé combien là? 4, 5, 5, 5 en un épisode, 5 hordes en moins. Bon, je vous avoue que j'ai quand même un petit peu en travers de la gorge le fait que ce soit les Lombards ou les Wendes qui aient réussi à tuer Attila, alors que moi je l'avais poutré, j'avais carrément poutré la gueule, quoi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, le jeu est ainsi fait. CA est en mode triche, c'est pas un souci. Ah, c'est peut-être pas dit que je sois tranquille encore longtemps. Hein. Parce qu'avec les Wendes qui arrivent là-haut. Mais enfin bon, ici il faudrait que j'y ramène une légion, pas tellement pour aider mes alliés, mais plus pour garder les deux cités que j'ai réussi à conquérir. Ah bah vas-y, fais-toi plaisir. Tu crois que c'est la fête du cip, ça, mon territoire, on y va comme ça, hop hop hop. Attends, mais t'inquiète pas, je t'attends au tournant, toi. Donc oui, je suis toujours en guerre avec les morts, qui m'ont déclaré la guerre alors que j'avais pas d'armée à côté d'eux, ils ont profité. Qu'est-ce qu'ils foutent eux? Ouais. Mon peuple, pour faire faire une relation, c'est quoi ton présent? Ça, c'est le truc qui est mal fait, je trouve. Salutations, j'apporte un présent de mon peuple pour faire fleurir nos relations. Mais on sait pas d'où il vient. Ils disent pas qu'il vient d'un endroit ou d'un autre. Tuez-les tous, y compris le messager, ces hommes sont clairement des espions. Bon, on va le tuer. Je sais pas d'où il vient, je le tue. Hein. C'est logique. Allez, bah toi tu viens là. Puis lui, je vais recruter des légos comitatenses. Donc non, je vais peut-être pas recruter une légion en plus parce que l'air de rien, ça va me bouffer pas mal de fric celle-là. À votre service. Comment puis-je servir le peuple de Rome? Commandant, je veux des patrouilles toutes les heures. Viens te refaire une petite santé. Qu'est-ce que Rome exige de moi? Et forcément, j'ai oublié d'enlever la marche forcée, donc ça attendra encore un tour de plus. Donc là, je vais recruter un onagre. Et après, il faudra peut-être qu'il redescende. Ouah, c'est une petite troupe, je risque pas grand-chose. On va aller voir toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais sur mon territoire? Avec qui t'es en guerre? Non, pas les Lombards. Macédoniens, t'es en guerre avec les Huns. En allié avec la Dacie. En alliance avec les Visigoths. Mais moi, tu m'aimes pas. Je peux comprendre que tu m'aimes pas, mais qu'est-ce que tu viens faire sur mon territoire? Nous avons faim
avec deux armées, si tu ne m'aimes pas, qu'est-ce que tu fais chez moi? Toi, on va en profiter pour explorer un peu ce qui se passe. Donc on voit, il y a encore une horde 1, une horde Wendes, enfin une horde, une armée Wendes, une deuxième, et elle a portée d'Urbursis. D'accord. Ici, comment ça se passe? Là, ça tient. Là, ça tient. C'est l'hiver. Il y a un effet de pénurie alimentaire. Ouais, je suis pas convaincu. Ouais, je suis pas convaincu de tout ça. Va falloir que je vienne recoloniser cela un jour. Hop, on va faire ça. Comme ça va rééquilibrer l'hygiène. Ce sera pas mal. Voilà, ça ce sera pas mal. Eux, on va pas y toucher pour l'instant. Là, on va pas trop toucher. Ici, on a moins 4. Sinon, je casse ça. Je vais gagner 1 et 1. Je vais en gagner que 2. Ouais, mais j'ai perdu toute la bouffe que j'ai. On va peut-être garder les sous. Il se pourrait que ça me serve au prochain tour pour quelque chose. Hop, 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 hop. On va rebrancher le casque. Excusez-moi, ça va faire un petit peu de bruit. Voilà, parce que j'ai un casque sans fil, mais il faut quand même que je laisse le chargeur dessus. Ça fera pas de mal. Corps de garde. Alors, du coup, comment est la garnison? Garnison, pardon. Elle est pas trop mal. Là, ça va me faire gagner un d'ordre public. Bon, ça va pas suffire. On va garder les sous. Par là, qu'est-ce qu'on pourrait faire sinon potentiellement? Primus Maximus, qu'est-ce qu'on peut y faire? Oh non, 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 je vais pas me relancer dans les églises. Là non plus. Écurie de cavalerie. C'est laquelle la promotie? C'est eux les promotis? Ah d'accord. J'avais complètement bouffé leur nom. Donc voilà, on voit que j'ai pratiquement toutes mes légions regroupées ici. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je me décide. On va regarder. Parce que toi, t'allies avec qui? Avec les Lugiens. Les Lugiens, c'est une horde. Ils sont pas dangereux. T'es en alliance donc avec les Lugiens si je t'attaque. Les Thuringiens, c'est une horde. Ils sont pas dangereux. Les Lombards. Les Lombards, eux, ils sont plus dangereux parce que là, ils ont du territoire aussi. Donc, ils ont une cité, deux cités, trois cités, les Lombards. Ils sont dangereux, mais pas tant que ça. Les Marcomans ont deux cités. C'est qui que je voulais attaquer? Bah, c'est les Lombards, je suis con. Thuringiens, j'avais dit c'était une horde. Le Marcoman, ouais, et les Burgondes. Eux, par contre, ils sont potentiellement beaucoup plus dangereux. Une, deux, ils en ont probablement. Ah non. Donc, eux, ils ont trois cités. Une, deux, trois ici. Les Marcomans. Si j'attaque les Marcomans. Les Thuringiens vont m'attaquer. Les Thuringiens,
Ils sont pas dangereux. C'est une horde. Les Lombards, ils sont potentiellement pas très dangereux. Par contre, il y a les Burgondes. Les Lugiens, eux, ils sont pas dangereux. Et les Wendes. Et je suis déjà en guerre avec eux. Alors, est-ce que ça vaut le coup que j'y aille? Parce que ça, je peux la choper. Là, je la chope avec cette légion. Merde, elle a des murs. Donc, il me faut une légion avec une catapulte à l'onagre. Donc, lui, il pourrait choper là. Lui, il pourrait choper là. Par contre, il manque une légion. On va d'abord écraser les morts. Et après, on verra si on va pas rentrer en guerre contre les Marcomans ici. Ou l'idéal, ce serait de rentrer en guerre contre eux. Ce serait moins dangereux. Comme ça, j'écrase la Macédoine. Clac. Là, je déferle avec mes légions ici. Et comme ça me fera une frontière plus avec les Lombards. Donc je peux écraser la Macédoine et la Dacie. Ça peut être un bon plan. Et comme ça, en même temps, j'en profite pour éradiquer les Visigoths qui m'énervent. Allez, je pense que c'est ce qu'on fera. On verra bien. On n'y est pas encore. On passe le tour. On va voir ce qu'il se passe. Mais je pense que ça approche. Mais il faut d'abord que j'élimine les morts. Le peuple mort. Et après, j'aviserai. Fonction de ce qui se passera, soit... Je vous en supplie. Prenez vos armes et attaquez ces individus. Ils sont une menace pour tous. Si je leur déclare la guerre... On va voir. Je veux bien, mais je veux de l'argent. Votre sagesse est célèbre. Dieu lui-même envisagerait sûrement un assaut contre eux. Je veux prendre des sous. Mais j'ai peut-être laissé passer ma chance de déclarer la guerre aux Visigoths sans avoir les Macédoniens et compagnie au cul. Donc les Wendes ont fait la chasse au 1. Remarquez, c'est peut-être ce que venaient faire les Macédoniens, mais j'ai un petit doute. Je pense que les Macédoniens vont essayer de recapturer des cités. Et ça m'arrangerait pas parce que du coup ils m'entoureraient un peu. Allez, fais vite. Fais ce que tu as à faire et fais-le vite. Ah, ça par contre, je m'y attendais pas. J'ai sauvegardé. Hop. Excusez-moi. Petit coup de téléphone, à tout de suite, j'arrive. Re les amis. Alors, on va faire la bataille en mode... allez, en défensif. Victoire héroïque. On va se reconstituer. Voilà, donc là ça se replie. Ça se replie. Là, ils vont pas pouvoir se reconstituer parce qu'ils sont à l'étranger. Et moi, je vais pas pouvoir me reconstituer parce que j'ai une troupe étrangère sur mon territoire. Alors, on va voir ce que je vais pouvoir faire. Est-ce que je vais pouvoir combiner mes deux armées? Ah, ça y est. Les uns existent. L'homme s'excuse pour son attitude et accepte son châtiment. Le moral de l'unité s'en voit amélioré. Ok, nickel.
Donc ils ont réussi à éliminer les 1, c'est con. Alors, on enlève la marche forcée. On recrute un onagre. Ce sera pas mal. Toi. Waouh, mais c'est-il pas merveilleux? Vous voyez? Hop, on va prendre ça. Et ça. Ah, le zèle en plus, ça me donnerait. Excusez-moi, on recommence. Ça et ça. Non. Oh si, ça. Voilà, on va dire ça. Ici. Prêt pour la bataille. Voilà, ça c'est bien. Il est doux. Il est beau de mourir pour Rome. Avant de recruter. Non, je peux pas les choper. Donc on va recruter. Enrôlez-vous pour une belle et glorieuse vie. Battez-vous avec nous. Voilà. Comme ça, au prochain tour, il y aura au moins ça qui sera revenu. Prêt pour la bataille. Je me moque que vous soyez fatigué. Ah. Ah, on va se la tenter. Avant, on va améliorer l'armée quand même. Reconstitution. Intégrité, non. Ah, quoique, si. Ça, ça peut être bien. En agressif. Voilà. Et on les tue. Commandant, comment puis-je servir le peuple de Rome? Puissais-je être aussi rapide que les anges? Veillez aux défenses. Voilà. Qu'est-ce que Rome exige de moi? Bon, après, s'il attaque, il est un peu suicidaire parce que j'ai plus d'hommes du coup. Par contre, j'ai laissé Xingis sans protection. Commandant, oh, quoi qu'ils ont, ils ont que 2 unités, ils pourront pas y faire grand mal. Ouais. Prêt pour la bataille. Ah, il suffisait de pas grand chose. Aux fortifications, enrôlez-vous pour une... Voilà, comme ça au prochain tour il y aura au moins ça de recruter. Voilà, ça se passe bien ici. Par là, on en était où? Toi. Pour l'instant, on va rester comme ça. Lui, il recrute son onagre. Là, ça va. Ici. Hop, je vais perdre 40 de bouffe, là. Et bah, va falloir que j'aille faire quelque chose là-bas. Ça, c'est un nid en merde à cité que j'ai chopé là-bas, je vous l'avoue. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire par là? Je suis à votre service. Début de mon voyage pour Rome. Voilà.
Lui, s'il s'approche, je lui tomberai dessus. Cette armée. Viens jusqu'ici. Comment puis-je servir le peuple de Rome ? Voilà, je l'ai dissous. Je vais recruter. Bah, tout, on va dissoudre aussi. Au prochain tour, je recrute 3 cavaliers. Non, 2 cavaliers. Allez, mettons à dissoudre ça en plus. Voilà. Non. Voilà, une en plus. On va recruter un peu de cavaliers. Et des troupes d'infanterie aussi. Les palatins. Quelle occasion, il faudrait que j'aille voir à quoi ils ressemblent sur le terrain, les palatins d'élite. C'est pas les mêmes troupes que j'avais en garde du corps quand j'avais des gouverneurs. Je crois bien. Mais enfin. Ici, 0, 0. Là, c'est toujours bon. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme mission? Ça, ça va se faire. On devrait lever une force, ça me donne... je sais pas. On va passer le tour déjà. Gouverneur. Oh, on réinitialise. Ah, je récupère 270 quand même. Ah, ça vaut le coup. Ça équivaut à un bâtiment. 270 en plus en fric. Ça équivaut à un bâtiment supplémentaire. Par contre, ils sont en train de piller là, les Macédoniens. Donc, j'ai préparé. Je viens avec cette question. Ferez-vous preuve de Allez. Courage et d'honneur à nos côtés ? C'est le moment ou jamais. Je déclare la guerre aux Visigoths. Je les écrase. Ça fait que trop longtemps qu'ils sont sur mon territoire et j'ai pu du coup leur déclarer la guerre sans que les... Mince, ils sont où ? Sans que les Macédoniens et les Daces ne me déclarent la guerre parce que c'est une demande de mon allié. Non, ils m'attaquent, eux ? Oh purée, mais je peux pas être tranquille 2 minutes. Quoique leur général est en mauvais point. Bon allez, on sauvegarde. Celle-ci, il va falloir que j'aille la faire et que j'essaie de tuer leur général avec ma flotte. Allez, go. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de défense de ville à Rotomagus. Ça tombe bien. Ça commence à me manquer, tiens. Bon, ils sont pas très dangereux. Le seul problème, c'est que c'est une flotte. Par contre, je me rappelais pas que j'étais en guerre avec... en guerre, je les aurais attaqués depuis longtemps. Donc le problème, le vrai problème, c'est avec leur zone agre. Mais ce sera un faux problème parce qu'il va pas durer longtemps. Par contre, ça risque de me faire chier parce que mes archers pourront peut-être pas tenir longtemps face à ça, justement. Parce que moi, je vais essayer de tuer leur amiral tout de suite. Le problème, c'est que mon général doit être l'amiral aussi. Ou sinon, je planque mon général et je tente de foutre le feu à son navire avec mes archers. Ah, les généraux, ils sont légions mais ne valent pas grand-chose. D'accord, excusez-moi, je vais... Bah non, je vais pas boire un coup parce que j'ai plus rien à boire. Alors. Ah, ça c'est ma chance. Bon, on va quand même mettre la barricade, on peut la mettre où ? Quoi que c'est la première fois que je fais la bataille ici en hiver. Auxilia Paladina.
Ah, on voit même des petits flocons de neige sur l'écran. Ouais, c'est ma première bataille. Bah, je crois que c'est une de mes premières batailles en hiver, tout simplement. Voilà, ça c'est bien. Ils sont combien là-dedans? 42. Alors, comment ça se présente? Là, ça se présente mal. À votre commandement. Voilà. Faites-leur goûter à l'acier. Feu 40%. Général, Roma invicta. Repliez-vous! Nos hommes ont abandonné et courent pour sauver leur peau. Ouais, ils étaient pas 40% là, il y a 30 secondes. Pressez-les. Allez, va là-bas. Pour les dieux. Général. Toi, viens de finir. Il reste qu'un seul homme et ça va être le général. Il est planqué où? Hop. Eh mais c'est qui me cherche? Général. Général. On peut pas se permettre de perdre le général comme ça. Les hommes s'enfuient. Debout et battez-vous, bon sang. On va en profiter pour recharger. Ouais, on va vite débarquer et on va aller se planquer. Passez.
Purée, mais ils ont une cadence de tir pourrie, hein. Voilà, viens par là, viens te mettre à l'abri. Je veux surtout pas que t'y restes. C'est parti! Bon, on va peut-être se balader comme ça pendant 5 minutes, hein, on sait pas. Hein. Quoique non, on va pas se balader comme ça pendant 5 minutes, parce que dès que je vais faire recharger, je vais prendre 30 secondes où je vais plus aller à la même vitesse. Allez, si on pouvait leur foutre le feu à un navire. Un de nos navires ne peut plus tirer. Allez. De toute façon, là, il est mort. Celui-là, il va se prendre un tir dans la gueule. Voilà. Les forces ennemies ont détruit. Il a fait plouf. Bon, maintenant, le bon côté, c'est qu'il leur reste que 3 unités de marins. Le mauvais, c'est que ils peuvent... Ouais, je pense qu'ils vont pouvoir me matraquer la gueule depuis la côte. Auxiliaire Paladina! Toi aussi, viens par là. Infanterie de mêlée à vos armes. Pour la gloire de Dieu! Heureux de servir l'empereur! Au pas de course! Au pas de course! On disperse tout. Bon, après, avec les cavaliers. Hein. Ah, c'est de l'infanterie lourde. Bon, déjà, au moins, l'avantage, c'est qu'ils sont sous le feu de la tour. Ah ouais, mais je suis à portée de tir, là. Et là, je vais prendre cher, à mon avis. Auxiliaire Paladina! Allez, on va accélérer un peu le temps parce que c'est pas amusant à regarder ni à jouer, je vous rassure. On va voir un peu ce qui se passe. Bon, avec de la chance, ils vont arriver à court de munitions. Avant d'avoir été trop dangereux. Alors là, qu'est-ce qu'ils me font, eux? Est-ce qu'ils vont charger bêtement ma cavalerie? Ils sont combien? 33. 42. Auxiliaire Paladina! Les
Legio Comitatenses. En formation desserrée, tout de suite. Voilà. Equites, éclaireur. Ah bah venez, hein, si vous avez envie de vous balader. Il n'y a pas de souci. Allez, on vous lance même une petite charge dans le dos pour faire tout ça dans beauté. Ok. Le ciel peut attendre. Au pas de course. La mêlée en attente d'or. Au pas de course. La vitesse. L'ennemi nous tend une embuscade. Cavalier de mêlée. En vitesse. Infanterie de mêlée à vos. Ça y est, ils ont plus de munitions. Ah bah c'est bien. Ils sont combien là-dedans? 42. 42, la cavalerie va pouvoir faire mumuse. Legio Comitatenses. Fier fils de Rome. En formation serrée, allez. Rae Wentores. Eh bah voilà. Allez. On a le vent dans le dos. La victoire nous appelle. Voilà, on va accélérer tout ça. Ils m'ont attaqué après tout. Qu'ils assument. Bah, je pourrais pas. Voilà, on va mettre tout ça à vitesse grand V. Activer le pied à terre, tiens, pour une fois. Ah, on a vu une tête coupée, je crois. Et ils sont grands quand même à côté des Romains. Bon, allez, on va arrêter de jouer parce que... ça paume du temps pour pas grand chose. Donc on a éliminé les angles. Ah, il en reste 12. Bon, comme quoi la stratégie que tu... ouais, mais c'est vrai qu'il y a déjà une troupe du général qui a survécu. Bah, il en reste que le général. Allez, on les met à mort. Ok, bon, les angles. Là, c'était leur baroud d'honneur. Va falloir que j'aille les voir et que je les massacre. Ouais, là, la Macédoine, c'est pas bien ce qu'elle est en train de faire parce qu'elle va m'obliger à l'attaquer. C'était pas au programme. Enfin, pas aussitôt au programme, en tout cas.
avons faim de bataille. Comment puis-je servir le peuple de Rome ? J'irai au bout du monde pour Rome. Votre prochain ordre ? Vous m'entendez toujours ? Voilà. Excusez-moi, j'avais perdu le son. Du coup, j'espère que ça fait pas trop longtemps que vous avez plus de son parce que je viens juste de m'en apercevoir. Avancez. Mais enfin, je pense pas que ça fasse trop longtemps non plus. On se bouge, vermine. Non, reste en mode normal. Et puis toi, tu vas arriver par l'autre côté quand tu auras fini de recruter tes légios. Rang obtenu. En Germanie. D'accord, c'est toi. Bah, on va prendre. Ça donne quoi ça, terreur? On va faire ça. On sait jamais, ça pourrait servir. Pour l'instant, tu vas me garder la frontière. Impossible. Voilà. Le diable donne du travail aux mains oisives. Prêt pour vos ordres. Purée, je peux pas l'atteindre. C'est con, ça se joue à pas grand chose là. Toi. Non, toi d'abord. Tu te mets en normal, tu recrutes 1, 2, 3 cavaliers. Voilà. 3 cavaliers et 2. Toi, t'es pas mal. Toi, tu vas venir par là. Hop, hop, hop. Nous ne pouvons faire cela. Pour la mort et l'honneur. Allez. Fauchez les dos. On va se faire ça. On les élimine en défensif. Et prenez ceux qui veulent bien. En revanche, leur inexpérience dans vos rangs affectera la performance de votre armée. Ah, ça on l'oublie. On l'oublie forcément. On l'oublie tout le temps, ça. Ouais, là c'est une vraie flotte. Aquilea. Ouais, là ça peut se défendre. Ravenna. Ça pourra se défendre aussi. Là c'est l'armée qui a gagné. On va partir par là. Je sais pas trop quoi faire, donc c'est pour ça que je pars par là. À votre service. Toi tu vas venir ici du coup après. Au prochain épisode, je pense qu'on va devoir déclarer la guerre au... Ah, t'as arrêté de piller, tiens. Ouais, il s'est calmé, il a arrêté de piller. Lui il va me recruter ses cavaliers. Toi, viens ici. Nous avons faim de bataille. Ah, t'as pas d'onagre. Alors, déjà, on dissout. Ah ouais, ils sont pas si mal que ça. Hop, on dissout. Et maintenant, on va... non, c'est bon. On va recruter. 1, 2, 3.
Donc lui, il va avoir 3 comme ça. Ensuite, il me faut 2 cavaliers normaux. Toi, on te dissout. Non. Toi, on te dissout. Ça me coûtera, ça me fera plus de revenus. Donc voilà, ça me fait 2 cavaliers. Ça me fait 18 et un onagre. Un de plus. Donc 2 cavaliers et un onagre. C'est bon. Ça me fera 3, ce sera bon. Lui il va avoir 2 tours, donc c'est bon. Là ça va le faire. Ça, ça va descendre. Allez, c'est pas mal. Toi, tu bouges plus. Toi, tu finis de recruter. Et puis après, tu iras par là. Lui, il passera par là, lui par là. Ici. Ici, ça se présente comment? Ah, vraiment mal. Mais bon, dans 3 tours, ça ira mieux. Vous, j'aimerais bien que vous dégagiez mon territoire et fissa. Nous avons fin de bataille. Hâtez-vous. Pourquoi j'arrive pas à voir plus ce qu'il y a dans leur truc? Bon, enfin, Salona. Ouais, elle peut se défendre, c'est bon. Ils peuvent aller jusqu'où, eux? Enfin bon, ils ont pas intérêt à m'attaquer parce que... Sinon, je vais m'énerver. Allez, on passe le tour, on va voir. Et ouais, je pense que ce qui serait bien, c'est que j'arrive à finir cet épisode sur la défaite des morts. Que j'arrive à écraser les morts, comme ça au prochain épisode, je pourrais me concentrer sur les Macédoniens et les Daces. Maintenant que j'ai écrasé les Visigoths. Quoique non, il leur reste une flotte aux Visigoths. Ah ouais, il faut pas que je l'oublie ça. La flotte des Visigoths, la flotte des Angles. Quoi qu'il va bien trouver moyen de recruter des mercenaires et de venir se suicider sur une... Ah bah, presque. Tiens, tiens, les Lombards font des actes contre les Macédoniens. Est-ce que les Macédoniens n'auraient après les Lombards? Quoique non, ils sont plus proches de leur terre. Et lui, il revient à la charge. Lui, il avait 2 unités tout à l'heure. Je suis sûr qu'il a recruté du mercenaire. Oh non! Pff. La poisse. Ah non, je la fais pas. J'ai pas envie. Je pense pas que je pourrais gagner face à ça. J'espère juste qu'ils vont pas me raser la cité. Je comprends pas l'intérêt, ils viennent, ils pissent, c'est tout. Ils voulaient juste du fric. Notre accord commercial leur apportait plus d'argent que ce qu'ils viennent de se faire. Notre faveur et notre amitié s'expriment rarement avec des termes si favorables. Je prends les sous. Ok. Fin de la fonction 2, 3, 4, 5. Affaire d'État. Monseigneur, en tant qu'un de... Pardon. Monseigneur, en tant qu'un de vos contribuables, je dois vous rapporter que certains citoyens ont refusé de payer vos justes impôts. Engagez-vous dans la politique de la faction et occupez-vous de cela. Ok. On va écouter. Dans le doute, j'écoute. J'ai pas envie d'envoyer la troupe tout de suite. Voilà. On va repartir d'ici. Toi, compte militaire. Toi, tu as pas le niveau. Toi, tu as pas. Enfin, le niveau. Tu as pas le soutien. Tu as pas le soutien. Attends, Dalmatie. Vénétia, Dalmatie. Tu vas bientôt en avoir. T'inquiète pas. D'entretien. Hop, il y a bien de l'entretien là. Ah non, que le coût de recrutement.
Toi qui es en fonction. Ok. Nous avons faim de bataille. Il y a quoi dans la ville? Je pourrais tenter d'attaquer, quoique non. Non, 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 pas bonne idée. Nous avons faim de bataille. Commandant. Toi tu viens ici. Est-ce que tu peux recruter les cavaliers? Aux fortifications. Voilà, il peut. En parallèle, c'est nickel. Lui après, il descendra et il recrutera. Mais pour en recruter que deux. Voilà, comme ça, t'en recruteras trois. Trois ici. Toi, tu es pas mal. Là, c'est pas mal. Toi, reviens tout de suite à Tingis. Allez. Ah, je peux pas capturer. Nous avons faim de bataille. Commandant. On va réparer. On va pas réparer. Est-ce qu'on peut coloniser? Non, j'ai pas d'armée à côté. Qu'est-ce que Rome exige? Là, il n'y a plus rien. Il me tarde de vous servir. Là, il y a une armée. Toi, tu vas venir ici. Allez, je vais vous faire un épisode un peu plus long que ce que je l'avais souhaité. J'aimerais bien mettre un terme aux morts avant de quitter l'épisode, comme ça on pourrait être tranquille pour l'épisode prochain et n'avoir entre guillemets que le souci des Macédoniens à régler. Quoique avec ma chance, il va bien me claquer autre chose à la gueule parce qu'il y a les Wendes qui sont pas loin. D'ailleurs les Wendes, ça me fait penser aux Wendel. Ça se prononce peut-être comme ça, les Wendel. Pour ceux qui ont vu le 13e guerrier avec Antonio Banderas, c'est un peuple qui fait... enfin, c'est un peuple. Oui, c'est, ils font un peu concurrence aux Vikings sur certaines terres, etc. Elle est maintenant souillée. Mettons fin à cette querelle. Nous offrons la paix aujourd'hui ou la lame demain. Si tu veux, je veux bien traiter de paix. Mais j'aimerais bien... un peu de sous. Vous parlez bien, mais pouvez-vous boire? Puis il faudra que je vienne les écraser à un moment ou à un autre. Et je pense que ça va pas tarder à leur tomber sur la gueule. Là, je les aime pas. J'aime pas les savoir aussi près de ma cité. Ah bah du coup, ils préfèrent se replier. Alors, est-ce qu'on va réussir à en finir avec avec les morts assez rapidement? Je vous avoue que j'apprécierais. Ah, ça y est. Ah, là, ils ont vu la deuxième armée. Du coup, die à la maison. Hein. Allez, je décrète. Je décrète. 130, non, là c'est une faveur, c'est toi qui le fais. Après moult flatteries politiques, votre homme est parvenu à obtenir une fonction. À partir de maintenant, les villageois acceptent de payer leurs taxes, sans discuter. Ça c'est pas mal. Après, ouais, ok. Nous avons faim de bataille. Donc toi c'est bon. Toi t'es pas dangereux en l'état.
Viens par là, et toi, hop, maintenant, on attaque. Non, j'ai dit, on attaque. En mode défensif. On leur pique la cité, j'ai perdu un lancier, une Auxilia Palatina, c'est pas méchant. On occupe. Est-ce que tu peux retourner? Non. Mais c'est pas grave, tu vas y aller quand même. Tu t'en rapproches. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Non, on va casser. Parce que je veux pas de niveau 2, de toute façon. Embarcadère de pêche. Maintenant, ça, je peux réparer. Quoique, non, je suis pas à l'abri. On va casser. Casser. Ça, par contre, on va convertir. On va réparer, puis on va convertir. L'embarcadère de pêche, ça, on va prendre. Voilà, donc ça fait une bonne chose de faite. Et bah voilà. Comme je vous l'avais annoncé, on en aura fini avec les morts dans cet épisode. Bah, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Ça me fait plaisir, ça prouve que ce que je fais n'est pas fait pour rien. Parce que c'est quand même pour vous, entre autres, que je le fais. Enfin, pour moi parce que je joue, et pour vous parce que vous suivez, vous aimez. Donc forcément, ça me motive parce que... Je vous rappelle qu'il y a deux épisodes de ça, quand j'avais vu la masse des 1, mon déficit alimentaire, la famine qui avait été créée du coup, etc. Honnêtement, j'étais réellement à deux doigts d'arrêter. Je pense que si c'était pas une campagne faite pour YouTube, je me serais sûrement arrêté là. Je l'aurais pas scratché, qu'on soit bien clair, hein, mais je me serais arrêté là, j'aurais fait une pause d'une semaine ou deux, histoire de voir jusqu'où ça me menait. Bon, on va faire ça. Et puis ça. Voilà. On dépense des sous. On en a, faut en profiter. Là, ça va arriver bientôt. Je vais prendre combien? Plus 1, plus 1. Ça va me faire plus 2. Et là, je vais faire plus 3. Bon, voilà. C'est pas mal. Eh ben les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un 57, 58e, je sais plus. Enfin bon, pour un prochain épisode. Et puis, n'hésitez pas à regarder les vidéos sur War Thunder, ça me fait plaisir aussi. Allez, à très bientôt!